dîner champêtre. Entre les sièges où des garçons volontaires entassent leurs chalands parmi les boulingrins, la famille fait ça avec des airs sereins, discute longuement les tables solitaires. La demoiselle a mis un chapeau rouge vif dont sonore le bon faiseur de sa commune. Et Madame Fessard, un peu amasse et brune, porte une robe loutre avec des reflets d'ifs. Enfin, ils sont assis et le père commande des écrevisses, du potage au lait d'amande, toutes choses dont il rêvait depuis longtemps. Et dans le ciel, couleur de turquoise fanée, il voit les songes bleus quand ses esprits flottants fait naître l'ampleur des truites saumonées.